Je m'appelle Bertrand Hanel, je suis employé par la MRC du Rocher Percé pour coordonner un projet qui s'appelle le Laboratoire Rural Agroforesterie et Paysage. Alors ce projet a comme objectif de tester le potentiel de l'agroforesterie pour mettre en valeur le territoire. Dans l'agroforesterie, on associe les arbres et les cultures agricoles dans le même champ. Dans notre cas, les arbres sont destinés à la production de bois de qualité. Pourquoi s'intéresser à l'agroforesterie ? C'est parce qu'on pense que c'est une façon de multiplier les bénéfices associés à l'exploitation d'une terre. Le propriétaire possède les arbres qui donnent une valeur à son terrain, l'agriculteur continue d'avoir accès pour cultiver, et la collectivité tout entière devrait y gagner des paysages dynamiques et diversifiés. Ce projet se réalise dans la MRC du Rocher Percé grâce à la participation de plusieurs organisations impliquées dans le développement du milieu, que ce soit le développement socio-économique, l'agriculture ou la foresterie. Et sur le terrain, ce sont plusieurs personnes qui contribuent au projet en y apportant leur expertise. Aujourd'hui, c'est l'équipe des spécialistes en sylviculture qui est à l'œuvre sur le terrain. Geneviève Tremblay, je suis technicienne pour le consortium en foresterie. Aujourd'hui, on fait le suivi des petits arbres, des chênes rouges présentement sur le site. Bien, l'objectif de la taille, c'est de former l'arbre pour qu'il pousse le plus droit. Pour être capable d'aller chercher le maximum de qualité dans le tronc de l'arbre le plus long possible. La taille, c'est exactement un des objectifs. C'est d'arriver avec du beau fût, du beau défilement de bois noble, entre autres de belle qualité. Puis c'est ce qui me motive le plus. Puis je trouve ça fantastique d'être capable de travailler à faire ça. Salut, mon nom est François, je suis technicien au consortium en foresterie Gaspésie-les-Îles. C'est un organisme à but lucratif qui fait de l'acquisition et du transfert de connaissances. Le domaine forestier principalement et tout ce qui est connexe. C'est très intéressant de pouvoir justement comparer plus en milieu ouvert, agricole comme ça, ou versus un milieu plus fermé, plus forestier. Donc, très très intéressant. Oui, bonjour, je m'appelle Laurence Ouattet, je suis de Québec, je suis un producteur bovin. Présentement, j'ai 35 vaches de boucherie qui sont en production et avec une attente de 30 autres pour l'automne. À l'agriculture, j'ai toujours fait ça. Je suis de la quatrième génération d'agriculteurs chez nous. Ici, présentement, on est dans une culture intercalaire en agroforesterie. Je fais du foin entre les rangées d'arbres. C'est-à-dire, je passe à chaque côté des rangées d'arbres. Le principal problème que je vois, c'est quand les rangées ne sont pas égales. Quand elles sont plus étroites l'une que l'autre, là, ça m'incite à passer plus d'une fois dans la même rangée sans couper de pointe. Sinon, quand les rangées sont assez égales, ça va comme dans un champ normal, aucun problème. Vous avez des arbres qui peuvent avoir une valeur supplémentaire et toujours un champ qui est exploité et qui fait un paysage qui est dégagé, qui est ouvert. Qui donne une vue, un accès complet sur les paysages que vous voulez voir. Là. Ce n'est pas bouché par uniquement des arbres ou une plantation au complet. Là. Aujourd'hui, dans la MRC du Rocher Percé, plus de la moitié des terres agricoles appartiennent à des propriétaires qui ne sont pas eux-mêmes agriculteurs. Et ça, sans compter les terres qui sont déjà en friche. La seule option qui est actuellement proposée à ces propriétaires pour la mise en valeur de leurs terres est le reboisement qui se fait avec des plantations d'épinettes. L'objectif est de leur proposer une autre solution. On passait sur la 132 et on voyait toujours l'entreprise des forestiers. On se disait un jour, ça serait peut-être intéressant de les contacter pour avoir un projet. Mais là, d'une pierre deux coups, on a deux projets. Mais disons que ça nous permet d'autres options que le conifère. Ça nous a permis de nous inscrire, nous autres, dans la cité de Percé, puis dans son environnement, puis dans son développement aussi. Ça fait partie du développement. Alors, aujourd'hui, le 24 octobre, nous entamons la plantation sur le site que nous, dans notre jargon, on appelle le 21, en fait, chez M. Gérard Dubord et Mme Ginette Cloutier. C'est un terrain qui était en friche au début de l'année, puis qui a été défriché. Et donc là, il y a eu plusieurs étapes de préparation de le terrain. Donc, on a une équipe de travailleurs de la coop de travail en aménagement forestier avec nous, c'est Yves et Michel, et qui vont procéder à la plantation des 250 arbres qui viennent ici aujourd'hui. Thank you.
d'augmenter sa valeur de terre, puis tout en contribuant aussi à maintenir des paysages agréables. Ça apporte plusieurs choses, et en plus de la beauté. Bien, pour moi, d'abord, c'est le paysage. Je pense que tu as une belle rangée d'arbres, là, c'est plaisant à voir. Probablement pour mes petits-enfants. Subtilement, ils se conscientisent à tout ce qui se passe dans l'environnement par ce projet-là.